D'abord, merci à toutes et à tous d'être présents à Nîmes, en nombre. On croit que demain, on aura chiffré exact, mais on est proche des 800, peut-être un peu plus. Merci d'avoir fait le déplacement, de venir jouer sur le 93e championnat de France. Merci à la ville de Nîmes qui nous accueille pour la 4e fois, la 3e fois pour le championnat de toute catégorie, 2009. Je crois qu'il y avait eu 2014 et maintenant 2018. Il y avait eu un championnat de France en 2012. Merci aussi au département du Gard qui soutient également cette manifestation. Merci à vous toutes et à vous tous. Et on a, c'est vrai, cette année, un très beau cru avec les championnats mixtes et les championnats féminins. Et je vous demande d'applaudir très fort Étienne Lacroix, qui est 8 fois champion de France et qui joue à nouveau 7 fois. Et puis également notre sextuple chanteur de France, Sophie Millet. Et puis je veux aussi notre personnel, un salut chaleureux au premier président du club de Nîmes, Hubert Laval, que j'avais rencontré quand j'avais 16 ans aux Olympiades de Nice en 1974, qui a fêté ses 86 printemps, aussi qui joue ici le tournoi vétéran. On demande de l'applaudir aussi. La continuation à Pierre Lepel, il va donc vous donner la direction des opérations. Bonjour à tous et à toutes. Donc, quelques petits rappels techniques. La cadence, 40 coups, 1h et 30 minutes, plus 30 minutes, et à chaque coup joué, 30 secondes d'entraînement. Concernant les propositions de match nul par rapport au duel, il faut jouer au moins 40 coups sur l'échiquier pour proposer match nul par rapport au duel. Toutefois, en dessous des 40 coups, vous pouvez proposer match nul avec l'accord de l'arbitre. Ce championnat va inaugurer une nouvelle manière de saisir les résultats à l'arbitre. Il va y avoir des tablettes sur les tables d'arbitrage qui sont situées au fond. Chaque joueur va saisir le résultat sur les tablettes. Les résultats seront marqués aussitôt sur le site fédéral. En cas d'erreur, ça peut arriver, on se trompe, ou on refait une petite blague. Merci de signaler l'erreur à l'arbitre de votre table. Alors avant de donner le top départ, il y a la nuit des échecs qui aura lieu le 23 août à Nîmes. Vous aurez des grands maîtres, vous pourrez jouer en simultané, il y aura plein d'activités. Soyez nombreux, c'est entre 9h et minuit. Et puis, le plus important, c'est bien sûr l'échiquier nîmois qui nous accueille. Ils font de grands efforts. Je vous demande aussi d'applaudir l'échiquier nîmois et Jean-Yves Costa qui nous accueille ici. Merci. On va démarrer, donc les noirs appuient sur la pendule. Thank you.